Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Starbound V2 Bigiraffe. Donc vous connaissez tout ça. La dernière fois nous étions sur cette planète, nous en avons fait le tour, nous avons trouvé aussi, il me semble, sur cet épisode là ou un précédent, cette magnifique hache à deux mains. Donc complètement craqué, hein. Mais bon, c'est normal, on a eu de la moule une fois en 15 épisodes. Donc bon, je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche. Hop. D'un centre pénitentiaire humain et d'un tombeau avion, si je ne me trompe pas exactement. J'avais dit dans les précédents épisodes que si on n'arrivait pas dans ce système, on allait partir sur un système Gentlestar, donc une des premières planètes. Et donc pour vous montrer, on était sur cette planète-ci. Le prochain anneau de ce système est un champ d'astéroïdes. Le suivant est une simple lune, malheureusement, donc nous pouvons partir sur une Gentle Star. Et celle-ci a très très peu de planètes, semble-t-il. 1, 2, 3, 4. Ah non, voilà, bon, 5, 6, 7, 8. C'est une lune, non, oui, parce qu'apparemment il y a une lune dans chaque. Bon, bah on va commencer par la première. Et la A qui est un désert. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, j'ai oublié de lancer le timer. Je dirais qu'on est à 2 minutes d'épisode, le temps d'explication, tout ça. C'est parti. Bon, alors je vais tenter de tourner ces deux épisodes aujourd'hui. Enfin, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en tourner beaucoup plus, je pense. Je risque d'être occupé dans l'après-midi. Et dans la soirée aussi, d'ailleurs, même. Donc si j'arrive à tourner deux épisodes, je garde l'avance que j'avais déjà, qui est d'une confortable avance, hein, pour vous dire. Cet épisode doit être le 51ème, je pense. Et je viens de mettre en upload le 32-34, il me semble. 33-34, pardon. Regardez. Je vais regarder vite fait. Voilà. 33-34, voilà. Donc bon, ça devrait aller. J'espère cependant que pour vous, il n'y a pas eu trop de bugs pendant la vidéo, pendant que j'ai fait tout ça. J'espère aussi que tout fonctionne au niveau du son du micro, hein. J'ai pas fait de test son. Je fais plus trop de test son à vrai dire. Et on descend cette planète de niveau 1 qu'on va d'ailleurs mettre, sur laquelle on va d'ailleurs mettre un drapeau. Parfait. On va sortir notre hache et on va y aller. Suffisait pas à tuer, mais c'est pas grave. Alors on va juste prendre l'argent. Hop. Dans le coffre. Et on trouve des nouvelles armures, chers amis. J'ai pas fait le vide par contre. Hein. J'en suis désolé, on trouve des nouvelles armures. L'armure de Bédouin. Qui, je dois l'avouer, m'intéresse depuis assez longtemps. Sachant qu'en fait, bah, ça correspond tout simplement au style de ces planètes. Et que je compte bien, tôt ou tard, faire des découvertes de planètes avec un style particulier sur chaque planète. Par exemple, les lunes avec le système le machin du lunaire. Là. Ça, c'est intéressant. Tarcher. Préhistorique, ah! Normalement, on devrait pas être là le préhistorique. Ou alors, c'est peut-être par rapport à la planète. Bon, je viens de faire une dépense, c'est pas grave. Hop! Ça permet de récupérer quelques os, ce qui est très agréable à vrai dire. Hop les! Oui. Pas le joueur, tu vas me faire mal. Je te crois pas. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de tirer, hein, donc je peux conserver mes forces pour le déplacement. Hop. Les pixels sont à moi.
Fais. Fais. Bon. On va aller le faire. Hop les. Quand est-ce que vous allez respecter mon autorité? Les mouches sont très offensives apparemment. Bon, c'est pas grave. Les pipes, est-ce qu'ils sont pipés ou pipables? C'est intéressant. Parce qu'ils sont verts comme mon vaisseau, chers amis. Et les seules pipes que j'avais étaient marron. Oh, quel dommage. C'était parfait ça. Donc oui, je sais, j'en ai dans le fond aussi, chers amis, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Drôlement sombre par là, n'empêche. Là, il reste quelques petits pipes, je vais les prendre. On passe dans le fond exprès parce que bon, j'ai pas envie de casser le fond, bien que ce soit illuminé normalement. Même pas. Que voulez-vous que je vous dise? Par contre, oui, ces pipes vont être d'une grande utilité. Je sais déjà à peu près où, quand, comment. Ça, toi, je te prends aussi. Est-ce que ça va suffire? Oh, attendez, j'ai une autre idée. Ça marche pas des masses, hein. Hop, c'est pas. Qu'est-ce que c'était en dessous? Wow, 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 wow. Ça, je vais pas le laisser passer. C'est pas hyper intéressant, c'est pas. Ouais, attendez, 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 regardez. Ah, là. Il voulait pas s'ouvrir justement parce qu'il y avait un truc au-dessus. Ah, oh, c'était. Avian chest, peut-être qu'on a une chance d'avoir des trucs Avian alors. Aïe. Et c'est déjà fini. Bon bah parfait. On progresse. Ah non, il reste au côté, j'imagine. Voilà. C'est dommage. Hop, parfait. Bon. Est-ce que ça marche? Ouh, oui, ça marche. Appeler. Vraiment, je suis déjà full. Effectivement. Ce qui n'est pas très très grave en soi. Hein. Au niveau de la planète. Ouais, je me suis enfoncé. Oh mince.
Calme-toi, Marcus, ce n'est pas... Et là, c'est un cucu de sac. Et dehors, c'est une tempête de sable, mais bien sûr. D'avoir ce pouvoir-là à ce moment-là. Enfin bon, ce n'est pas grave. Fallait que je trouve quoi moi? Ah, un golden ducky, je vais pas en trouver. Ah, c'est dommage. Bonjour. Par contre, on t'a profilé des armures. Non. Blueprint. Alors attendez. Qu'est-ce que je peux virer? Qu'est-ce que je peux faire ça? Blueprint. Et toi, amigo? Il semble l'avoir déjà. Je le vire. Je l'ai pris juste pour voir si je pouvais le prendre. Enfin, si je pouvais le. Si je l'avais déjà de préparer à. Enfin, de possible à crafter. Les carpettes. Moi j'ai pas l'habitude de les mettre au mur, ça le truc. Hidden closet, ouais, moche. Ça c'est des trucs en bois. Ça par contre je le bouquine. Cabinet. Ah non, c'est des trucs à... c'est bien les trucs à bien. Hein. Bon bah. Et... Personne qui a laissé un golden ducky là-dedans? Non. Putain. Y'a pas une salle de bain chez vous? Avec un golden ducky? Non? Putain. Vous êtes sûr? Non? Putain. Bon, 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 bon. Un de plus à m'offrir. Ah, par contre, je vais leur piquer leur banc, je suis désolé. Un banc parce que j'en ai besoin et un canapé aussi. J'ai besoin d'un canapé et tout le monde est au courant. Le tabouret, est-ce que je peux m'asseoir dessus? Je peux pas m'asseoir dessus. C'est intéressant. Est-ce que je peux m'asseoir à côté? Non, je peux pas m'asseoir à côté. Bon, c'est peut-être toujours ça à côté. Deux, il me semble que je viens de le tenter et je ne l'ai pas. Je m'en fous un petit peu, à vrai dire. La fontaine, je vais vous la voler. Et oui, moi je suis un voleur de fontaine, chers amis. Hop.
Oh, la belle fontaine. Blueprint, ça je ne l'avais pas. Où est-ce que je l'ai coulé du coup? Où est-ce que je l'ai coulé? I already know how to do this. Oh my god. Par contre, ils vont flipper, ils arrivent à avoir des squelettes dans leur. Enfin, des os dans leur truc. Ce que je n'apprécie pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Une petite ventilation, c'est intéressant. Ces bancs-là sont juste horribles. Là, il s'est passé des choses. Oh, un fauteuil! Ils ont aussi le fauteuil. Cool, cool, cool. Je suis aussi tombé sur le fauteuil. Je suis aussi tombé sur le fauteuil. Non, rien de plus. Je check où on est dans un épisode, chers amis, sachant qu'il faudra que je me tienne à carreau au niveau de la longueur de l'épisode, justement. Le 3, je l'ai aussi. Je ne l'avais pas. Le codex non. Parfait. Marrant parce que c'est du tard en dessous, vous avez remarqué? Et ça, c'est une tower. Je suis curieux de savoir. Est-ce que vous mourrez facilement? Assez facilement. Bon. Parce que je ne veux pas récupérer un million d'épées et de trucs. Je ne vais pas tous vous tuer. Et ça confirme le fait que certaines que les planètes ne peuvent pas apparemment avoir plus de deux structures. Est assez normal pour un jeu vidéo, mais pas forcément réaliste. Mais c'est pas grave. Vous me direz, est-ce que c'est réaliste? Excusez-moi. Vous me direz, est-ce que c'est réaliste de pouvoir faire le tour d'une planète en un quart d'heure à pied? Bon, ben nous voilà, on a fait le tour. Donc on va remonter sur notre vaisseau, chers amis, et on va aller ranger un peu notre bordel dans nos poubelles. Là-dedans. Hop, voilà, problème résolu momentanément. Donc on n'a rien trouvé sur cette planète. Hop. On va aller sur celle-ci. Ça y est, on arrive. Bon, bon, bon. Je vais réfléchir si je devrais pas. Faire autrement au niveau de mon système de stockage. Mais ça me bousillerait du RP et ça me ferait chier. Nom de Dieu. Oui, je pense aussi à ça. Ne vous inquiétez pas, il va falloir qu'il y ait une douche et des chiottes ici. Parce que ça ne pourra pas être possible. On n'a pas besoin d'être 8 plus un 9 dans le vaisseau. Quoique. Tout dépend de ce qu'on a envie d'y faire, chers amis. Mais tout ça, on le verra dans un prochain épisode. N'hésitez pas à pouce vériser celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à le commenter, le partager, vous abonner, vous présenter dans les commentaires pour participer à une session de tournage. Je remercie ce matin, je me suis levé, j'ai eu le droit à un superbe message dans les commentaires sur une de mes vidéos. Comme quoi, je n'avais pas assez d'abonnés. Et donc, pour ça, les amis, vous avez qu'un seul moyen de me faire connaître, c'est parler de moi autour de vous et aussi de partager les vidéos, hein, bien sûr. Je pense que les réseaux sociaux sont un excellent moyen de d'agrandir la popularité des jeunes youtubeurs comme moi. Parce qu'on se fait rapidement écraser par les plus gros, tout simplement. Pour prendre exemple, j'avais l'intention de faire un let's play sur The Darkest Dungeon. Et j'ai eu la désagréable surprise de voir que le Lennon, le pub Lennon national français, avait commencé une série dessus. Donc je ne sais pas, je ne pense pas que j'en ferai. Et à l'heure où vous aurez cet épisode, ça fera très longtemps, à mon avis, qu'il sera parti dedans. C'est
dans un peu plus de... Alors attendez, si je suis au 34, ça fait 16, ça fait vraiment un peu... J'ai à peu près une semaine d'avance pour cet épisode. Donc bon, c'est pas... Voilà quoi, c'est assez balèze. Mais bon, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, et moi je serai ravi de le recevoir. Voilà, encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus pour d'autres épisodes. Salut les gens !